station. It's number 32 and he has a situation. Look at me, move your feet, then don't change the station. You're fucking bad cause you're leaving on a permanent vacation. Well, I'm a disaster, a microphone master. Put on the tape and rock, you get a blaster. Stand up at the morning cause it tells the resource about sweating on the... L'autre côté, l'autre côté. Mais non, putain! Attends, Marco, il m'a fait passer l'autre côté, ce con. Putain, la vie de ma mère. D'une, tu sers à rien, et de deux, tu sers vraiment à rien. C'est ta gueule, ta gueule. Deux. Ah, si je pouvais te mettre une balle dans la tête, je le ferais direct. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, excuse-moi. Je sais pas pourquoi je voulais appeler quand même, j'ai appelé vraiment. Oh, l'équipe de bras cassés. Vous êtes sérieux qu'on va faire un braquage tous ensemble, hein? C'est le plan. Ah ouais. Là, avec ma fronde. Non, on peut pas. Faut l'amener sur l'arbre. Wow! Vas-y, viens. Il est pas en mode vénère. Viens. Là, il charge. Il va charger. Vas-y, laisse-le venir. Attends, je tire lui des trucs. C'est bon. Oh, putain, il m'a fait tomber. Ouais, bien. Vas-y, la charge, tu vas le bloquer. Hop, tête. Oh, lui, qu'est-ce qu'il t'a fait pour t'arranger les armes? Ah, oui, putain, je me suis bon. Oh, il s'est libéré. C'est raté. Putain, il s'est libéré vite. Ah, il est fatigué encore. Oh, putain. Oh là là. Je prends une petite livraison de. Laisse. Oh, non. Putain. J'ai essayé, mais j'ai trop boosté. Regarde. Oh, jamais. Je voulais la dégager, justement. Regarde, je sortais des cages. Je la sortais d'un bon. Regarde, là, je l'ai dégagé. Non. Tu m'as dégagé. J'essaie de la rattraper. C'est un mec qui oui, mais je voulais la dégager. On a très bien joué. On essaie de faire ça dans l'autre sens. Putain. C'est ça qu'on voulait faire, pourquoi tu pleures? C'est le bâtard, il te met des bruitages. Putain, il est passé à côté de moi, cet enfoiré. Ouais, mais ce bâtard, il attend qu'on vienne pour qu'on libère la meuf. Ouais, il campe sans fleur, il campe. C'est stratège, ça. C'est sûr qu'on va venir chercher à l'aider. En fait, il faut y aller en groupe si on veut l'aider. C'est-à-dire, il y en a... Au moment où il en frappe un, il y a l'autre qui détache... Il y a le moteur, là. Ah, elle est morte. Wow. Ah, il l'a soulevé. Il l'a planté. On peut avoir des armes, on peut trouver des armes, des trucs comme ça pour se défendre. C'est quoi cette caisse là que j'ai pris? Oh là là! De quoi? Tony, arrête de temps. Mais allez vous faire enculer quand tu t'arrêtes, enculer de ta sale race. Je crois que je me suis suicidé pour rien. Ta race, arrête de me demander. Quel suicide, ferme ta gueule, tu descends, tu prends le bus, on se casse. T'es long, mon gars. Non, j'ai appuyé. Une chaise musicale, mon gars. De la chaise musicale, je te jure. Quand c'est nuit, t'es nuit. Vas-y, on devrait gérer là, parce que sinon on arrive la vidéo, tu peux même pas sur YouTube, on va s'afficher, wesh. Oh, c'est qui va chercher le corps? Là, ça va même pas être possible. Tu vas, Tony? C'est moi. Mais fonce, c'est hein. C'est moi, j'ai. Parce que nous, faut qu'on reste pas, mais... si on reste la voiture sur place, c'est canard. Non, laisse le moteur tranquille. Hein? Voilà. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas qu'il en a là, mais. Pas toi, on dirait. Hein? Merde. Oh, dommage, je suis pas monté.
T'es vraiment, je suis monté sur le trou noir. Oh, tu vois comme il a mis la patte sur mon arbre, magnifique. Oh, la tête, c'est quoi? Ah, c'est des coups. Oh là, on a des messages. Oh putain. Oh là là, oh là là, c'est bon, il est vénère. Il est vénère, là, ici. Et t'as frappé? Non, c'est la meuf qui l'a frappé et qui va remettre sur le crochet. Mais t'inquiète, regarde, je vais faire le gamin. Je t'ai vu passer là, je suis derrière, je suis à côté. t'as fait quoi? Je me suis caché derrière le mur et au moment où il s'est remis en invisible. Il est où? Il est là-bas encore? Oh, je l'ai brain! Oh, je l'ai brain! Oh, je l'ai brain! Il est là-bas encore? Ouais, pour l'instant on est toujours dans l'hôpital, mais faut en profiter pour faire les trucs, les mecs. Attends, mais où? Mais ils sont où les trucs? Je les vois pas, moi. Ils sont les moteurs? Ouais. Bah si, les moteurs quand même, tu les vois, Ahmed. Non, ils sont où? Je les vois pas. Je veux dire, ils ont apparu un moment et après, il y a une carte. Oh, il en a chopé encore. Vas-y, moi je veux bien faire les moteurs, mais je les trouve pas. Raté ta mère! Non, je connais pas encore la map. Oh putain, la meuf elle a essayé de se dégager, elle est morte. Ouais, elle est morte, on est que toi et moi. Putain, hé, laisse tomber, je suis en train de faire le ouf depuis tout à l'heure avec l'assassin. Il faut jouer les Ronaldo. Il est où ce fils de pute? Putain, je l'entends, il apparaît et il disparaît. Essaie de rentrer dans les pièces. Les pièces, c'est moins inscrit parce qu'il fait les couloirs. On tire pas. On tire pas. On tire pas. On tire pas. C'est bon, on peut l'attaquer là. Non, non, parce que si tu l'attaques, c'est une voiture de police, juste derrière, tête de cul, je vais rien. On fume la voiture de police. On fume la voiture de police. Ça m'énerve, on va pas comprendre. On fume la voiture de police. Eh mais heureusement que t'es pas un prof, Tony. Hein. Tu fumes la voiture de police. Pythagore, sale connard. Pythagore, sale connard. Un angle droit, tu veux que je te montre ce que c'est? Je vais te mettre la mâchoire en angle droit, petit con. Il arrive. Là, on tire. Ouais, non, tire! Pas de dé, pas de putain. C'est bon. Les gars, le camion là, avec si, il va tirer. Casse-toi le camion! C'est ma Tony! Vas-y, Tony, vas-y, avance, Marc! Laisse tomber, on s'en fout, on avance! Vas-y, avance, Marc! Moi, Marc, avance! J'ai mis une tape. Vas-y, go! Il est ouf! Oh, joli, on a eu celui de l'hélico! L'hélico! Mais moi, il est pété, l'hélico! Il est où l'hélico? Putain, je le vois! Hop! Il est mort, non? Vous l'avez pas eu? Non, derrière. Tiens, pas. C'est qui lui? Une roquette dessus? Le bus, ouais, le bus! Mais non, mais qu'est-ce qu'on prend les. Ah ouais, lui. Oh là là. Oh non! Non, la vérité, c'est minable. Ah, l'air là. C'est bon, j'ai eu l'hélico. Le bus, hein. Mais non, mais c'est non, franchement, c'est pas à quoi ça. C'est moi qui m'occupe du bus, laisse tomber. Non, attends. Non, allez, sinon. Je vais t'aider. Oh là, c'est parfait. Oh, ramène-moi. Ah non, ramène-toi. Oh là. Ouh. Il bouge trop, cet enculé. Ouais. Oh, il a raté. Qui a fait ça? C'est pas moi, sinon c'est pas moi. Mais non, on est bleu. Vas-y. Oh, on m'a éclaté. Qui est là? Marc! Oh, allez, magnifique! Ça passe. Saboter la boîte, c'est quoi ça? Tu peux saboter les trucs, fils de pute! Aide-moi! Fils de pute!
Ah, j'entends. Oh, je l'ai esquivé. Oh, je l'ai encore esquivé. Oh, il est là. Il est vers toi. Je sais, je sais. Je me cache, je te laisse. Il veut me fumer, ce patron. Il veut me fumer. Vite, 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 vite. Vite. Allez, passerelle dans ta gueule. Allez, viens. Allez, viens, bâtard. Oh, bâtard, il m'a touché. Il m'a touché, le bâtard. Oh, il m'a eu. Oh, il m'a mis à terre. Oh, le fils de pute. Attends, j'arrive, j'arrive. Non, non, attends, attends, attends. Fais attention, voilà, accroupis-toi. Ah, oh, putain, le bâtard. Vas-y, viens, viens, cours, 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 cours. Non, mais il va m'entendre. Là, il est à côté du bureau, là. Là, il s'est mis en invisible, il est à côté du bureau, donc ça sert à rien. Ah, il est là, putain, je le vois. Ah, là, il peut me voir. Je suis en dessous du bureau, moi. Tu vois un peu? Ah, ouais, mais moi, je vois exactement où t'es, mais le problème, c'est que lui, c'est un bâtard de campeur, donc... C'était pour ça que je t'ai dit cours. Il aurait fallu qu'au moment où il m'accroche, dès qu'il utilise la cloche pour se remettre en invisible, que toi tu me décroches pendant le temps de chargement où lui il se met en invisible. Tu vois, là il est juste devant moi là. Vas-y, je vais tenter de m'échapper. Vas-y, barre-toi, Ahmed, barre-toi. Je fais le moteur. Il y a le moteur juste à côté. Non, non, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ça marche pas comme ça. Attends, Théma, descends, Ahmed, descends, deux secondes, je vais te prendre un truc. Vas-y, vas-y. Je vais juste te montrer le délire. Vas-y, hop. Et hop, t'as perdu. Je suis des bâtards. Un sale. Tu me l'avais placé? Bah oui. Mais je l'avais placé moi aussi. Pourquoi elle a pas pété? Le problème, c'est. Faut sortir de la voiture pour que ça explose. Ah d'accord, je pouvais pas me tuer. Tant que t'es dans la voiture, vu que c'est un tiramis, tu peux pas exploser la voiture. Chier. Fallait pas descendre. Excuse-moi. Tu connais, je veux que je te présente un ami. All I need is a packet of potato. That's better than cheese and ham. That's better than bread and jam. Imagine a castle set deep in the countryside, unlike any other castle you've seen in movies or read about in fairy tales. Full of secrets, full of magic, full of crisps. You heard right. There are crisps galore at this very special castle, because this is Tato Castle, home of the tastiest, crunchiest crisps you'll ever taste. Take a Tato tour and you'll see thousands of crisps and snacks whizzing by in front of your very eyes. You'll even get the chance to try them as you never have before. Still warm, fresh from the production line. There's nothing quite like it. Our enthusiastic Tato Tours team will give you the regal treatment, and there'll be plenty of good old Nornarn banter along the way. Your senses will go into overdrive, and your eyes will widen as you see just what goes into turning potatoes into Northern Ireland's favourite crisps. Tato Castle has been our home since 1956, and today we make more than 1 million packets of crisps and snacks here every working day. In fact, 1 in 5 of every packet of crisps eaten in Northern Ireland is Tato cheese and onion. We even have a secret flavour room
for this special flavour, guarded by our very own Mr. Tato. Popular snacks we create at the castle include lip-smacking salt and vinegar spirals, crunchy onion rings, and tongue-tingling spicy bakers. A visit to Tato Castle isn't complete without the chance to meet the best old spud in town himself, Mr. Tato, who loves nothing more than meeting his fans. Make sure to bring your camera to capture the moment. Say cheese and onion. Our crisps and surroundings are too good not to share, and Tourism Northern Ireland agreed, awarding Tato Tours a 4-star rating, the highest rating ever awarded to an existing facility. There's something for everyone to learn on a Tato Tour, and we also have a very strict rule at Tato. If you visit us, you won't go away empty-handed. Thousands of visitors have enjoyed our tour so far, from school and youth groups to friends and families, with guests saying, awesome, best day ever, and when can I come back? And we hope to welcome you to Tato Castle someday soon. Until then, Tato for now. For further information or to book a tour, visit www.tato.com or call 028-3844-0340.